Après plus d'un an de bataille judiciaire entre Laetitia Hallyday, seule héritière désignée de son défunt mari, et Loras May et David Hallyday, les deux de Johnny Hallyday, la justice américaine vient d'infliger un camouflet à la veuve du chanteur en refusant d'intégrer de nouveaux biens de Johnny Hallyday dans le trust qu'elle a ouvert avant sa mort. Cette décision n'est peut-être que temporaire. En effet, la veuve du chanteur avait décidé, il y a quelques mois, de saisir la justice américaine afin de transférer de nombreux biens ayant appartenu à son défunt mari dans le Trust JPS. Trust JPS pour Jean-Philippe May, soit des voitures, des motos et des royalties des titres du chanteur. La cour de Los Angeles a ordonné un renvoi pour qu'elle soit mieux informée, a ainsi déclaré une source proche du dossier à l'AFP. Avant de rendre un verdict définitif, la justice américaine souhaite sans doute attendre la décision de la justice française. En effet, le 29 mars prochain, les avocats de Laura et David d'un côté, et ceux de Laetitia de l'autre se retrouveront de nouveau au tribunal de Nanterre pour une nouvelle audience. La justice française doit décider de sa compétence sur ce dossier épineux. Celle-ci devra déterminer si c'est le droit français qui doit s'appliquer en ce qui concerne la succession de Johnny Hallyday, comme le demandent Laura et David. Dans ce cas, ils pourraient ainsi hériter de leur père. Dans ce cas, Laetitia Hallyday serait la seule et unique bénéficiaire, comme stipulé dans le testament rédigé par Johnny avant sa mort.